Yahoo Dimancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de CV d'une femme mariée. Pour ce qui est de ce titre, nous sommes sur un one shot des éditions Nihon Niba. La série date de 2019 au Japon et de 2024, 1er mars 2024 en France. Nous sommes sur un manga âge conseillé aux 18 ans et plus, mais à savoir qu'il y a des grosses lignes noires en censure. Pour ce qui est du manga, nous sommes dans la catégorie héros, mature, chantage, adultère, prosti, et voilà. A savoir aussi qu'à l'arrière, il y a marqué NTR, double pénétration et Lana. Et pour terminer, nous sommes avec le mangaka Rocket Monkey. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais que je l'ai trouvé vraiment extrêmement magnifique. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait une censure m'a un petit peu perturbée au début de ma lecture, même si après c'est passé à peu près. Mais c'est vrai que donc au tout début fallait se mettre dans le bain, parce que j'ai un petit peu du mal avec les titres qui sont censurés personnellement, surtout comme ça avec des gros traits machin. Donc en ce qui concerne le résumé, quand son supérieur explique à Shizuka que son mari a commis une faute grave faisant perdre des millions à leur entreprise, cette excellente employée accepte à contre-cœur de coucher avec, lui pour qu'il couvre l'erreur de son bien-aimé. Seulement combien de temps parviendra-t-elle à croire qu'elle n'y prend aucun plaisir? A savoir donc que ça c'est le résumé de la première histoire, mais il y a deux autres histoires dans le manga. Une où on va parler juste d'un homme qui est aveugle et donc la femme en profite pour tromper son mari parce qu'il ne peut pas voir ce qui se passe. Et la dernière qui est en fait deux jeunes filles qui ont une relation avec leur sugar daddy. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Pour ce qui est donc des histoires, personnellement je te dirais que pour ce qui est de la femme mariée, enfin la première histoire avec l'entreprise etc, je l'ai trouvé quand même plutôt sympa parce que vraiment il y avait un scénario, même si le scénario est difficile, soyons honnêtes, je l'ai trouvé quand même plutôt cool parce que c'est la façon dont il a été abordé et travaillé que j'ai su apprécier. Pour ce qui est de la deuxième histoire, personnellement je ne l'ai absolument pas apprécié pour beaucoup de raisons, de détails etc. Je n'ai pas trop accroché dès le départ en fait à l'histoire, mais voilà, après ça dépend de votre vision des choses etc. Là moi personnellement ça m'a pas touché, tout simplement. Pour ce qui est de la troisième histoire, par contre je l'ai vraiment adoré. J'aime bien l'idée de voir des relations avec des sugar daddy. Par contre le seul défaut que j'aurais à dire, c'est qu'elles portent l'uniforme, donc techniquement elles sont mineures, et donc ça j'ai un petit peu du mal parce que comment dire, ben, j'ai l'impression de cautionner le fait qu'on mette des mineurs dans des mangas pour adultes. Donc ça c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à chaque fois, mais sinon en soi l'idée est plutôt sympa et je l'ai vraiment énormément apprécié. Donc en ce qui concerne les deux, ce manga, est-ce que je te conseillerais? Oui, surtout si tu es comme moi fan de mangas qui parlent justement de NRT ou donc d'adultère. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt sympa, la façon dont c'est développé est plutôt bien abordée, et vraiment les trois histoires sont plutôt intéressantes et plutôt cool, donc vraiment personnellement je te le recommanderais si tu aimes bien ce genre. On continue et termine la vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures etc. Donc pour ce qui est de l'illustration à l'avant, j'aime bien mais sans plus. Alors c'est bien, c'est qu'on va nous montrer qu'en fait la femme a des rondeurs, donc ça c'est plutôt cool parce que ça change de quand on voit vraiment des personnages très très fins etc, standard, donc ça pourquoi pas. L'arrière on voit la même femme, ça c'était un petit peu dommage, quoique c'est peut-être la deuxième femme je pense, j'ai un doute. Bref, l'autre image à l'extérieur ne me tente pas du tout, ne me donne pas envie, rien, aucun effet. Par contre, le côté de jaquette, j'ai quelque chose à dire. Le sommaire, moi, j'ai adoré parce qu'on a le détail de la main de la femme mariée avec son alliance, et ça, j'ai trouvé ça super sympa. L'autre illustration, j'aime bien parce qu'il y a une toute petite touche de couleur, et ça, je trouve ça plutôt original et assez changeant de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Quand on enlève les jaquettes, on a exactement la même illustration, mais en noir et blanc, donc rien de spécial à dire. Et quand on commence au manga, on commence directement avec des pages en noir et blanc. Donc voilà, rien de particulier, pas de page en couleur, pas de page entre chaque chapitre, super sympa, rien. Donc voilà, donc en ce qui concerne mon avis esthétique, il n'y a
pas grand chose à dire et cette vidéo va être une fois de plus très très courte. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle vidéo présentation de H-Manga. Et sur ce, à bientôt.